Vous avez entendu parler de portail, pluridisciplinarité, nouvelle maquette, et vous avez l'impression que la nouvelle licence ressemble à un mélange un peu confus. Nous allons vite voir qu'il n'en est rien. Le portail, c'est la première année de licence. On peut donc parler de L1 ou de portail, sauf pour les formations en langue. Pour la licence de langue, on parle de portail uniquement pour le premier semestre. Le principe de validation de l'année ne change pas. Elle donne droit à 60 crédits, 30 au premier semestre et 30 au second. En L1, pour le portail donc, chaque semestre se compose de 5 unités d'enseignement. 4 UE sont disciplinaires. Chaque UE disciplinaire se compose de différents éléments pédagogiques, ou EP, autrement dit des cours, dans une discipline. L'ensemble des différentes disciplines forme un socle commun et cohérent de compétences. La 5e UE inclut des enseignements transversaux communs à toutes les formations. Les deux semestres ont la même structure. Nous avons donc une première année pluridisciplinaire. C'est à partir des différentes disciplines enseignées dans le portail que l'étudiant choisira pour la L2 une mention. La mention sera en continuité directe avec l'une de ces disciplines, mais avec l'apport constructif des autres. Avant de voir cela de plus près, quelques mots sur les enseignements transversaux. On les retrouvera dans chaque année de licence, à chaque semestre. Ils incluent l'étude des langues étrangères, des TIC et, en L1, de la méthodologie universitaire. Dans plusieurs portails, s'y ajoute un nouvel élément pédagogique, le projet de l'étudiant, avec un travail autour du projet personnel et professionnel, ou PPP, et une sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. C'est l'une des nouveautés importantes de la maquette. Le passage de L1 en L2 se fait donc sur le choix d'une mention de L2 en continuité avec au moins l'une des disciplines étudiées en L1. La mention choisie en L2 se poursuivra en L3 avec éventuellement le choix d'un parcours type permettant une plus grande spécialisation. Sans oublier, pour la L2 et la L3, la poursuite des enseignements transversaux. La maquette de L2 est un peu différente de celle de L1. Elle inclut une UE de plus par semestre. On a donc 5 UE disciplinaires portant sur la mention choisie au lieu des 4 UE pluridisciplinaires de L1 et une UE transversale par semestre. De ce fait, l'équivalent de chaque UE en crédit n'est plus de 6 crédits, mais seulement de 5, le total restant 30 crédits par semestre et 60 pour l'année. La maquette de L3 est identique à celle de L2. Récapitulons. L'accès en licence se fait par un portail pluridisciplinaire, sauf pour les langues dont le portail porte sur le premier semestre uniquement. Ensuite, pour le passage en L2, l'étudiant choisit une mention en continuité avec les disciplines étudiées dans le portail. Il poursuit cette mention en L3 avec éventuellement le choix d'un parcours type pour plus de spécialisation. En même temps, tous les étudiants de licence acquièrent des compétences communes par le biais des UE d'enseignement transversaux.